You've got to beat Mike Tyson. This sword left. He played one. He played two. Bon, arrête le disque. Tu ricotes bien. Trop la défense. Chers clients, bienvenue à ce troisième épisode du Super Club Vidéo Gore, la deuxième saison de l'ouverture de notre club vidéo. Bienvenue chez nous, merci d'être là. Je suis votre commis Steph. Et je suis votre commis Steve. Et cette semaine, Stéphane, encore une fois, un épisode de... Écoute, je pense pas que je vais rire autant qu'il y a deux semaines avec The Johnson, qui est un film... Ah, j'ai reçu plein de messages. Il y a plein de monde qui veulent voir ce film-là. Et faites-le oui. Pas. Et oui. Restez loin. J'espère que notre client cette semaine qu'on va recevoir, Fabrice Blain, lui ne verra pas The Johnsons. Il va rester pur de larmes. Pauvres gens qui ont vu ce film-là, The Johnsons. Épouvantable. Fabrice a fait un film qu'on a diffusé encore. On a projeté au Requiem qui s'appelle La chose derrière la porte qui a remporté des prix. Okay. J'aime le titre en partant. Effectivement. Moi aussi. Ensuite, on va avoir Christophe et son acolyte Paul Lafont qui vont nous faire L'année de l'horreur 1981. Oh, il y a mon slasher préféré qui est sorti en 1981. Oh, bon, ben on va garder ça pour tantôt, je pense. Mm-hmm. On déroute de l'horreur avec Guillaume qui va nous parler d'un film que j'avais jamais entendu parler de ma vie avant, Bukaru Banzai. C'est Bukaru Banzai, un film que Guillaume m'a parlé. Je suis allé souper chez lui avec sa conjointe Magali. Et puis, il a dit, je dois te parler de Bukaru Banzai. Tu ne sais quoi. Ni moi, mais on va l'apprendre aujourd'hui grâce à la chronique Espace-Temps. Tu sais quoi? Moi, j'ai continué mes films en série. Hein? Je suis rendu à Children of the Corn 3. Urban Harvest. Les démons du maïs 3, les moissons de la terreur. Pauvre enfant, je le répète. Pas les enfants du film, parce que c'est les tueurs, mais pauvre Steve qui regarde ça. Et moi, j'ai regardé un film à cause ou grâce à la saison 1, un arrivage qui s'appelle Night Train to Terror. Oh, ça, je sais pas pourquoi, la pochette. J'ai hâte de vous parler de ça. Allô! Définition du mot arrivage. Nom masculin. Arrivée de marchandises. C'est marchandise. En anglais, arrivals. Noun, action or process of arrivals. En espagnol, buenos tardes, buenos noches. Voulez-vous que je continue? Je suis polyglotte, moi. Alors, pour les arrivages en moderne, c'est bien simple, OK? Regardez ça. Ping, tang, tang. C'est mandarin, ça? Je sais pas, ça me fait... J'ai faim. Moi aussi. Buffet. Un egg roll. Ouais. OK, ta citation, là, je l'ai eu sur la tête la semaine passée. Ça semble qu'elle est lourde en plus cette semaine. Attention. Oui, le répondeur, le répondeur. Oh, excusez, on voulait pas crier, David. Non, David, c'est correct. Enlève David. Ah, merci beaucoup. Je lance pas ça. Oh. Et voilà. Je commence. On a reçu finalement le G Fuel édition limitée, Steve, du Dream Demon de Nightmare on Elm Street. C'est beau, ça! Beau, attends de voir le contenu, je vais l'ouvrir. Je m'en fous si c'est pour nos clients. Tout emballé quand même. On a un shaker cup en stainless ici, à l'effigie de Nightmare on Elm Street. C'est-tu pas magnifique, ça? Hein? Puis moi, j'aurais juste acheté le shaker cup, j'aurais été vraiment content. Mais il y a d'autres choses là-dedans. Il y a des crises cardiaques. C'est du G-Fuel. On met un scoop dans cette quantité-là d'eau. Je ne sais pas exactement c'est combien. On mélange ça. C'est ultra caféiné. C'est dangereux. Et vos pupilles vont se dilater et vos paupières vont sauter toutes seules. Magnifique. Achetez-en. J'en ai pris un petit peu. Es-tu correct? Oui, c'est ça. Ouais. Écoute, on... Oh! Quoi? Là, Stéphane, dans la saison 1, tu m'as donné un beau cadeau. Oui. On n'a pas encore regardé le premier épisode. Pas encore. Je pouvais pas m'arrêter là. J'ai fait commander la saison, la série complète. OK, fait que la première saison... De K2000. Moi, je t'ai acheté un cadeau. Tu dis, je vais acheter ça en évidence. J'en ai pas assez. Il m'a tout acheté à la série. Puis Steph, il ira se faire paître. Mais non, mais on va... C'est complet. C'est-tu en Blu-ray? Je ne sais pas. Non, c'est en DVD. Il y a 5 saisons.
Check comment que David est beau. Ah, puis il chante bien en plus. Fait que, on n'a pas juste une saison, Stéphane, à regarder. On en a plusieurs. Mais ça, c'est pas un message à mon cadeau. T'es content quand même. Je suis très content. Ça t'a donné envie de tout les acheter. Envie de tout les donner. Ah, OK. Je suis comme un gateway, dans le fond, pour toi. Là. Et voilà. OK. C'est ça. Excellent. Sinon, dernière... Non, quatre choses. Grosse semaine. Le gérant du budget. Ouais, vas-y, je te laisse piger. Imagine s'il nous augmentait à la place d'acheter plein d'affaires pour le Super Club des Ogre. On aurait... Oh, non... On dirait que j'ai pas envie de placer ça sur nos tablettes. C'est The Exorcist Believer. Maintenant, elles sont deux. Une des filles va vivre et l'autre va mourir. C'est à toi de choisir. Ouais, mais c'est ça. Je sais pas, hein? Pas j'ai, vu. J'ai vu aucun bon commentaire. J'ai vu des gens dire c'est pas si pire que ça. Puis quand tu dis c'est pas si pire que ça, c'est comme dire ah, mon beau-frère est correct. Tu sais? Oh non, non, non. Ah, puis soit dit en passant, c'était pas une remarque à mon beau-frère. Je t'aime, Patrice. J'espère que tu vas bien. Et enfin, on a reçu Vérité aux conséquences, Truth or Dare. Un film de Blue Mouse. Non, c'est-tu Blue Mouse? Même pas, c'est Universal. As-tu déjà vu? Oui, non, de Blue Mouse. C'est Blue Mouse. La pochette est très cool. Un film, en fait, pour ados, mais qui s'en tire très bien pour moi. Moi, j'ai bien aimé. Les gens ont chié là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ben, ça va aller sur les tablettes, mais en tout cas, côté creepy, ils ont réussi avec la pochette. Justement, en termes d'arrivage, on a terminé. Mm-hmm. Donc, on va parler des films qui ont paru aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Daniel, viens nous jaser ça. Après la pause. Steve? Qu'est-ce que ça sent? Je sais pas, mais ça vient pas de chez nous. Non, c'est pas toi, c'est comme... Ah, oh, man, il y a quelque chose de bleu dans la machine à popcorn. Ah! Abonnez-vous à notre chaîne. Oh, t'as déboulé. Presque. La semaine passée, j'ai déboulé quand j'ai parlé de The Johnsons. Mais le 29 mars, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde de l'horreur? Moi, j'avais peur la semaine dernière, ou la semaine d'avant, plutôt, que mars était un mois de dompe. Finalement, il y a quand même pas mal de sorties. Oui, mais un 29, c'est juste mars, avril. C'est comme juste avant le 1er avril. Il va-tu avoir des trucs, des films qui ont rapport au 1er avril? Ah oui, comme April Fool's Day, on verra. Salut Triple d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 29 mars, il y a un total de 22 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1955, on a Revenge of the Creature, qui est la suite de Creature from the Black Lagoon, sorti l'année précédente. Ben honnêtement, je me souviens plus trop du film, sinon que j'avais aimé ça. Mais fun fact, c'est le premier film de Clint Eastwood. Il est pas crédité au générique, mais il est là. Ensuite, en 1987, on a Blood Rage, qui est un excellent slasher qui se déroule pendant l'Action de grâce américaine. C'est l'histoire de jumeaux qui, pendant leur enfance, un des deux a tué quelqu'un dans un cinépark pendant que sa mère essayait de faire des cochonneries. Il a blâmé ça sur son frère, puis il s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Des années plus tard, il s'échappe le jour de l'Action de grâce, puis son frère pète une coche, puis commence à tuer du monde dans son bloc appartement. C'est super le fun, puis le gore est sa coche. Dans les slashers les moins connus, c'est un de ceux qui mérite le plus d'être vu selon moi. Ensuite, en 1988, on a Beetlejuice, qui est un classique réalisé par Tim Burton, puis son meilleur film à mon avis. Ça raconte l'histoire d'un couple qui meurt dans un accident de voiture, puis qui se retrouve à devoir hanter leur maison. Une famille s'y installe, puis ils vont tout faire pour les faire partir, allant même jusqu'à faire appel à un bio-exorciste appelé Beetlejuice. Pour vrai, j'adore ce film-là, puis même si je trouvais qu'il n'y en avait pas vraiment de besoin, ben, j'ai hâte de voir la suite qui va sortir en septembre. Ensuite, et finalement, en 2004, on a Shaun of the Dead, qui est une super bonne comédie de zombies réalisée par Edgar Wright, qui met en vedette Simon Pegg puis Nick Frost. C'est le premier de la trilogie des Cornetto qui inclut Shaun of the Dead, Hot Fuzz, puis The World's End. Ce film-là a été tellement un succès que George Romero a offert à Simon Pegg puis Edgar Wright de faire un petit caméo dans Land of the Dead. C'est eux qui jouent les zombies avec lesquels on peut se faire prendre en photo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et de retour à vous, Steve et Stéphane. Quelle semaine! Un autre film de Thanksgiving? Ben oui! Il y a deux semaines, j'ai dit que Thanksgiving de Eli Roth de 2023 était un des seuls films qui se passait à l'Action de grâce.
Mais Blood Rage, j'ai vu la pochette, j'ai côtoyé cette pochette-là souvent, Steve, dans les clubs vidéo, ouais. Mais j'ai pas vu le film. J'ai vu ça sur Shudder, moi, j'ai regardé. C'est un bon petit slasher à voir si t'es un fan de slasher. J'en suis un, donc je suis le bon public. Puis les deux autres films, là, c'est des institutions dans leur domaine, chacun. Beetlejuice de Tim Burton. Calique, Michael Keaton vole le show dans ce film-là. C'est tellement un film, le fun à regarder, en plus avec des enfants. Dans oui. Ça passe très très bien, ça leur fait peur sans leur faire peur. Et ici, je te dis, Deo! Deo! Hey, on n'a pas le choix, ça c'est... À chaque fois que j'entends ça au Centre Bell, pendant les matchs de hockey des Canadiens, je vois Michael Keaton. Ouais. Et là, j'ai hâte c'est... à la suite quand même. Là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que les incultes qui regardent Stranger Things sont comme « Hey, la mère de l'autre dans Stranger Things, là, elle a aussi joué dans un film, là. Eh oui, Winona Ryder, là, c'est pas son premier rodéo Stranger Things. » Elle n'a vu d'autres. Ouais. Puis Simon Pegg dans Shaun of the Dead. Ah non, écoute, c'est tellement drôle. Ouais, ça c'est un film, c'est une comédie d'horreur parfaite à mon avis. Oui. Oui. Parlant de film parfait. Oh, pas Children of the Corn. Non, pas du tout. Christophe Paul, 1981, pour moi. 1981, c'est mon slasher préféré. My Bloody Valentine. Ah. J'espère qu'ils vont nous parler de ce film-là après la pause. Ton préféré? Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedelhorreur.com pour plus d'informations. Donc, comme que je te disais avant de passer à la pause, My Bloody Valentine est pour moi le slasher parfait. Je crois qu'on a plusieurs copies oui, ici. Oui, j'en ai vu tantôt. Ici. On a tellement de choix au Super Club Video Gore. En plus, on a des spéciaux sur les populaires. Les réguliers sont 2,99. Le Steelbook ici. Et le choix du staff est 99 sous seulement. Donc, Steve, probablement que ça fait partie de ton choix du staff. Hey, wow! Check! Hein? Oui. April Fool Day et My Bloody Valentine, on parlait du 29 mars. On va aller voir nos ennemis ce qu'ils en pensent. Le Super Club Vidéo Gore. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Christophe G ici pour jaser de 1981, a.k.a. l'année du slasher. Parce que, tu sais, 1981, grosse année. Sérieusement. J'aurais vraiment pu passer 4 minutes à jaser de Evil Dead, l'opéra de la terreur, hein? Mais non, on va parler de slasher. On parlera pas non plus de mes films de loup-garou préférés, hein? The Howling, puis American Werewolf in London, tu sais, Joe Dante, John Landis. On se trompe pas, là. C'est trop bon. Ben, la fameuse scène d'explosion crânienne, le Scanner, de David Cronenberg, un de mes réels préférés. J'aurais pu passer aussi 4 minutes à jaser de cinéma d'horreur italien, trash, Burial Ground, vous vous rappelez, là, de Le Manoir de la Terreur, avec le fameux jeune enfant de 40-quelques années qui fait quelque chose à sa maman de très louche. Vous le verrez, faut le voir pour le croire. J'aurais pu parler de Cannibal Ferox, ce film tellement crade, réalisé par Umberto Lenzi, ou de Grim Reaper, Anthropophallus, hein, en français. Moi, j'ai un sampon Anthropophallus complètement fucked up, mais c'est deux scènes, ce film-là. Lucio Fulci de Beyond, ou House by the Cemetery, tu sais, la bonne période. Mais non, moi, je voulais parler de slasher parce que en 2021, pour Horreur Québec, vous irez voir ça dans la chronique On Rembobine. J'avais parlé de slasher parce que c'était la grosse année. En 81, on se rappelle, bon, Halloween, le premier, est sorti en 78. Il y a eu des très mauvais slashers qui sont sortis en 81. La nuit du Seigneur, Home Sweet Home. Ça, là, l'acteur, le principal, le tueur, c'est
il est tellement mauvais, là. C'est vraiment le fun à écouter ce film-là. C'est complètement retard. Je vous le conseille fortement. Hell Knight, moi, je suis pas trippé tant que ça. Avec Linda Blair, produit par Irvin Yablans, le même qui avait produit Halloween à l'époque. La parodie slasher, Student Bodies, pas tant drôle. Hein. Friday the 13th Part 2, c'est bien, c'est violent, mais il n'y a pas encore de masque. Halloween 2, ça commence tout de suite après dans l'hôpital. C'est le fun. Toby Hooper avec son fun house, c'était vraiment le fun aussi. Hein, même House of 1000 Corpses, c'est pas aussi bon que ça. Mais c'est pas son meilleur. Évidemment, The Texas Chainsaw Massacre par Toby Hooper, c'est un classique indémodable. The Prowler, hein, de Joseph Zito. Trop fort, hein, qui est allé nous faire Friday the 13th Part 4, The Burning, un de mes préférés. J'avais jasé avec les gens de Terreur sur le pod, c'était trop plaisant, hein, ma petite copie signée par Tom Savini, The Burning, tu sais, produit par les Weinstein, il y a des comportements un peu désagréables, de plusieurs doutes là, dans ce film-là, mais il y a beaucoup de beaux kills sur le radeau, hein, c'est complètement fou. Happy Birthday to Me, un slasher canadien produit par Cinépix. Hein? C'est vraiment très, très le fun, Happy Birthday to Me. Mais le film qu'il faut écouter vraiment, c'est My Bloody Valentine, l'original. Un des meilleurs slashers jamais produits. Quentin Tarantino est fan. Un film réalisé par George Mihalka. Donc, d'origine hongroise, montréalais, bon, maintenant à Toronto. Il y a eu un remake aussi, 3D, paru dans les années 2000-2009. Mais l'original, sérieux, on stand pas avec le mineur absolument brutal. Les kills sont complètement fous. Il faut voir la version unrated. Puis les acteurs, ils ont pris pas des jeunes. Tu sais, c'est vraiment des 30-something, ils boivent de la mousette, puis c'est dans des mines. Tu sais, vraiment, le setting est trop cool. Vraiment un excellent, excellent slasher. My Bloody Valentine, hein, meurtre à la Saint-Valentin avec Karl Marotte, Pierre Lambert. Donc, ben, allez-vous retaper ça ou tapez-vous-le pour la première fois si jamais vous avez jamais vu. Il faut aller voir Harry Warden. 1981 est une année riche dans l'histoire du cinéma d'horreur. Plusieurs classiques ont vu le jour cette année-là, comme Scanners, The Evil Dead, American Werewolf in London ou encore My Bloody Valentine, pour nommer que ceux-là. Pour ma part, j'aimerais sortir le film Dead and Buried de la catégorie de films moins connus et l'ajouter à la liste des classiques d'horreur de 1981. L'histoire se déroule dans une petite ville côtière appelée Potter's Bluff où se produisent une série de meurtres brutaux et bizarres. On suit le shérif qui enquête sur ces événements et fait de son mieux pour découvrir qui ou quoi se cache derrière ces atrocités. Le film commence avec un photographe en vacances qui prend des photo sur une plage de Potter's Bluff. Alors qu'il ne fait qu'admirer le paysage, une femme blonde très séduisante sortie de nulle part l'aborde. Alors qu'il succombe à ses charmes, paf, il tombe dans un guet-apens et se retrouve ligoté et brûlé vif sur la plage. Où son seul crime aurait été d'avoir osé y poser le pied. Ça, c'est le premier meurtre auquel nous assistons. On découvre par la suite qu'un groupe d'habitants n'apprécient vraiment pas que des étrangers s'arrêtent dans leur village pour manger ou mettre de l'essence. Et encore moins des clochards qui se saoulent la gueule. Si vous vous retrouvez à Potter's Bluff, vous êtes dans la chenoute. Notre protagoniste, le shérif du village, merveilleusement interprété par James Ferrantino dans une performance qui est contenue et sobre, essaie de comprendre du mieux qu'il peut ce qui se passe. On retrouve aussi Jack Albertson dans ce qui fut son dernier rôle au cinéma et tabarouette qu'il est sur la coche. Il tient le rôle du croque-mort du village, un vieil homme bizarre et bienveillant. Dans Dead and Buried, on retrouve quelques acteurs de renom qui étaient au début de leur carrière, dont Robert Englund et de Glenn Morshower, l'un des meilleurs acteurs de genre qui soit. Allez jeter un coup d'œil sur sa fiche sur IMDb et vous allez comprendre. L'atmosphère joue un rôle important dans le film. Le réalisateur Gary Sherman joue beaucoup avec les ombres et la lumière. Il y a toujours un calme inquiétant et un brouillard constant qui plane sur le village. Je l'ai particulièrement remarqué lors de chaque déplacement du shérif. Je voudrais souligner la contribution particulière de Stan Winston dans ce film qui fut l'un de ses premiers projets où tous les effets spéciaux de maquillage ont été conçus par lui il y a plus de 40 ans. Ils sont tellement bien faits que le film semble toujours d'actualité. On retrouve plusieurs scènes avec du gore et du body horror dans Dead and Buried. Je pense par exemple à la scène de mutilation des yeux qui est tout simplement nauséabonde. Ou encore celle où de l'acide est utilisé pour mettre fin à la vie d'une personne.
Il y a la scène de reconstruction d'un squelette en un être humain vu en accéléré est une scène magistrale digne d'une classe de maître de cinéma. Ce qui est encore plus impressionnant est le fait que Winston a fait le tour en une seule prise. Encore davantage quand on pense qu'il s'agit d'un film datant de 1981. Parlant de 1981, j'aime que les vieilles technologies comme les films 8 mm ou les Telex qui permettaient de communiquer avant l'Internet ou les fax dans les bureaux des forces de l'ordre jouent un rôle important dans les révélations de l'intrigue. En regardant le film, on se demande pourquoi certaines personnes sont dans le coup et d'autres non. Je présume qu'on a besoin de ces personnes pour faire fonctionner le village, sinon pourquoi les garder? La plupart d'eux sont des bombes à retardement sur le point d'exploser, mais croyez-moi, vous n'avez pas envie d'être dans le coup. Même si le rythme du film est un peu lent et l'atmosphère lourde, la fin est franchement excellente. La révélation finale, les implications de ce que l'un des personnages faisait depuis le début, c'est vraiment macabre et sobre. Je pense que vous comprenez que je vous recommande vivement de regarder Dead and Buried. Visitez-moi à Grindhouse Funhouse et je vous dis ciao bye for now. Quelle année insane! C'est incroyable, hein? Écoute, ça rivalise presque 1987. 87 qui est une des meilleures années de production de cinéma de série B de tous les temps, puis pas juste de série B, mais 81, man! An American Werewolf in London, Evil Dead. Ah oui, Evil Dead. Ah, c'est bon, Evil Dead! Ah, c'est excellent! Mais My Bloody Valentine, Stéphane, tu vas pouvoir dire que c'est un des meilleurs slashers. Je pourrais dire ça si je l'avais vu. T'as jamais vu My Bloody Valentine? Non! Come on! Arrête! Crie pas! Ça me fait penser à mon père! Avais-tu vu Dead and Buried? Dead and Buried? Ah non, j'ai pas vu Dead and Buried non plus. Non plus? Mais les effets pratiques, par contre, me donnent envie de le voir, Steve. Écoute, on a la copie ici. Là? Ah non, pas vrai. Ici! Ici, on a une belle copie en plus. Oh wow, avec un slipcover. Avec un slipcover, puis c'est une édition avec un disque bonus de Blue Underground. Écoute, Paul, tu viens de me convaincre moi aussi. De regarder ce film-là. Je n'ai jamais vu Dead and Buried. Buried. Buried? Buried, pas Barry, c'est des framboises. Ça. C'est pas la ville de Pennywise, non, ça c'est Derry. Mais écoute, 81, Halloween 2. Oui, il est très bon, Halloween 2. Moi, j'adore. J'aime le rythme de j'adore ce film-là, puis ça se passe tout dans l'hôpital, en plus. Ouais. Aussi, Friday the 13th, 2, absurde aussi, hein? Ah oui, ça c'est bon. Absurde. Mais ça, je l'avais recommandé à Steve. Psychose infernale de son petit nom au Québec. Steve a donné une note, je pense qu'il a donné 0.5. Ça se peut. T'en revenais pas comment c'était mauvais. J'ai haï ça pour mourir. Il y a eu Piranha 2 aussi, James Cameron. Ouf. C'est James Cameron qui a fait Piranha 2? C'est James Cameron? J'espère que non pour lui. C'est James Cameron. À toi de me le dire. Puis il y a aussi The Howling la même année. Une grosse année quand même. Écoute, après la pause, on va aller rencontrer notre client Fabrice Blain cette semaine. Puis j'ai bien hâte de m'entretenir avec lui, de parler du cinéma québécois. Le Requiem et son marché de l'horreur seront de retour pour leur 7e édition les 21 et 22 septembre prochains. Pour plus d'informations, suivez la page Facebook du Requiem, le marché de l'horreur. Le Requiem, la plus grande convention d'horreur au Québec. La chose derrière la porte, long métrage indépendant réalisé par Fabrice Blain, qui est un Français qui reste à Montréal, qui a tourné ça en France, qu'on a passé au Requiem, il a gagné meilleur réalisateur, puis meilleure actrice aussi, désolé, j'ai oublié le nom de l'actrice. Je voulais parler avec Fabrice parce que ça faisait longtemps que je voyais de la publicité, du marketing sur ce film-là. Et enfin, on a pu y parler. Un excellent client. J'en profite durant que Stéphane est parti se soulager au petit coin. En plus, la toilette des clients, c'est inacceptable. Le gérant va vraiment être pas content pour te parler, toi, avec Fabrice. Fabrice Blain? Je mélange Blanc, toujours. Blain, OK. En tant que Québécois, des fois, on mélange vos noms de famille. Fabrice, réalisateur, producteur, plein de chapeaux, en fait, avec le film La chose derrière la porte. Fabrice, premièrement, parle-nous de toi, parce que moi, de base, j'avais l'impression que tu étais au Québec. Et même Stéphane, avant la pause, a dit Fabrice, le Québécois. Mais c'est pas vrai. Tu restes à Montréal. Mais là, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, je suis venu au Québec, je suis resté quelques années, je suis reparti en France là, très récemment, pour des raisons bêtes, hein, tu vois, essentiellement la COVID, là, qui n'a pas arrangé les choses, c'est pas pour tout le monde, hein, je n'étais pas le seul concerné, mais je veux dire, tu vois, ayant mes vieux parents qui sont en France, bah, il a fallu se rapprocher de la France, et puis voilà, pour des raisons un peu bêtes, mais mon cœur est resté au Québec, donc... Et on a plein d'amis et tout, et c'est cool. Enfin, je sais que je serai amené à revenir régulièrement. J'ai adoré les quelques années que j'ai passées en famille au Québec. Parfait. Et le film La chose derrière la porte n'a pas été tourné au Québec, en fait. C'est entièrement fait en Europe. Ouais, en fait, c'est un peu absurde. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai préparé pendant très longtemps en France avant de venir au Québec. Et au moment où je suis arrivé au Québec, sur la première année où je me suis installé, ça y est, il a été greenlighté, si tu veux. Et on a fait le tournage, donc il a fallu que je retourne en France tourner mon film. C'était absurde. Donc, à un moment, si tu veux, j'étais un peu entre... J'étais tout le temps dans l'avion, en gros, hein, entre le Québec et la France. Mais le film a été tourné en France parce que, tout bêtement, tout avait été préparé pour être tourné là-bas. Et surtout, c'est un film qui se passe pendant la guerre 14, enfin, la guerre de 14-18, hein, en France, près du front franco-allemand. Donc, si tu veux, ça faisait pas sens de le tourner au Québec. Puis voilà, tout avait été prévu comme ça, de toute façon, hein. C'est vrai qu'un tournage à Laval ou à Longueuil, ça n'aurait pas très, très fonctionné pour ton film. Tout est possible. Mais bon. Oui. Mais là, en fait, tu parles de la guerre, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous dire le synopsis, en fait, du film qui a été... qu'on a projeté au Requiem l'année dernière et qui a gagné des prix en plus. Fait que ça, je suis comme très content de pouvoir te parler parce que c'est toujours le fun de parler aux réalisateurs après qu'on ait projeté leur film. Donc... Ah ben j'en profite pour vous remercier d'ailleurs, parce que c'est toujours super agréable de voir que son travail est apprécié, et voilà quoi. Et ça a été un gros, gros boulot. Donc pour te pitcher un peu le film, pour le résumer en quelques phrases, ça se passe donc pendant la Première Guerre mondiale, hein. On est en 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale, en France. C'est l'histoire d'une jeune veuve qui s'appelle Adèle. Son mari est parti au front, il n'en est jamais revenu. Elle travaille dans une ferme, enfin c'est un corps de ferme, tu vois, c'est quelqu'un c'est une terrienne, hein, c'est quelqu'un qui travaille. Voilà, avant, elle travaillait avec son mari et puis elle a été par la force des choses obligée de reprendre les affaires seule. Mais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais remis de la disparition de son mari, hein, on peut le comprendre, et qui en fait va tout faire pour le faire revenir, quitte à employer des moyens, on va dire pas communs, puisqu'elle va faire appel à la magie noire. Voilà, hein, on voit ça dans plein de films, mais là, ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, quand tu étudies un peu l'histoire de la France dans les années 1910-1920, surtout à la campagne, et je pense que c'est vrai aussi au Québec, le côté, comment dire, magique, tu vois. Ouais, côté... sorcellerie, genre. Oui, sorcellerie était très présent. Je veux dire, c'était quelque chose auquel on croyait, sauf que les gens avaient aussi peur de Dieu. Que du diable, hein. Et donc ils tricotaient un peu avec les deux, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'église, mais en même temps, dès qu'ils pouvaient, ils faisaient un peu appel aux sorciers locaux, ou en tout cas, il y avait toujours des espèces de réminiscences comme ça, un petit peu moyenâgeuses, qui faisaient peur. Donc j'ai voulu, si tu veux, exploiter ça dans le sens où je pense que pour un film de genre, un film fantastique, un film d'horreur, c'est une bonne base, et puis surtout, en France, en tout cas, on n'avait pas tant de films jusqu'à présent comme ça qui avaient été faits dans ce cadre-là, dans ce contexte de la guerre. Parce que la guerre de 14 en France et en Europe, ça a été une saignée épouvantable. Tu as eu des millions et des millions de morts, au point qu'il y avait beaucoup plus de femmes à la fin de la guerre que d'hommes, et de femmes qui ne trouvaient pas d'hommes pour se marier. Enfin, c'est bête à l'époque, hein, c'était... Et il y avait vraiment... et je te raconte pas, parce qu'en plus, il y a eu aussi la grippe espagnole qui arrivait par-dessus ça à la fin de la guerre. Donc vraiment, les années 20... En Europe, c'était presque un renouveau, quoi, tu vois, au départ, après une énorme saignée. Donc voilà, c'était ça le contexte du film, mais c'est un film fantastique, c'est un vrai film fantastique. Oui, puis j'égare dans ma tête le nom de l'actrice, mais elle est excellente dans son rôle. Elle a gagné un prix, en fait, au Requiem, en plus. Elle était ravie. Oui. C'est Séverine Ferrer, en fait. Séverine, c'est une... maintenant elle a une quarantaine d'années, c'était quelqu'un qui, quand elle avait 20 ans, même peut-être plus jeune, était très connue en France parce qu'elle elle animait un show télé, tu vois, mais un peu pour les jeunes, elle parlait musique, mode et tout. Donc c'était pas du tout l'univers fantastique dans lequel elle évolue dans la chose, mais c'est quelque chose qu'elle avait envie de faire, justement. Donc pas mal de gens, notamment en France, ont été surpris de voir son nom, d'abord parce qu'on l'avait un petit peu oublié, elle avait un peu disparu, tu vois, comme ça, des lumières, des projecteurs,
Mais surtout, la voir dans ce contexte-là était très surprenant. Mais encore une fois, ça venait d'elle. C'est un truc qu'elle avait vraiment envie de faire. D'ailleurs, pour l'anecdote, son fils, l'un de ses fils a joué dans Walking Dead, je crois, récemment. Donc, bon, voilà, c'est rigolo. Mais c'est un peu le hasard des rencontres qui a fait qu'on s'est croisés et la motivation était là, quoi. Et là, le film a été terminé en 2023. Nous, on a fait une projection en 2023. Le film, je présume, a été projeté ailleurs dans le monde. Est-ce que la tournée des festivals est terminée? Est-ce qu'on va avoir un Blu-ray bientôt? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait pas mal de festivals, mais peut-être moins que je l'espérais, parce que c'est toujours compliqué. C'est un film indépendant, à tout petit budget. Et je sais que pas mal de festivals m'ont dit « Ouais, il est bien ton film, mais on a tellement de choses qui sont... » Il fait pas le poids, c'est pas forcément un gage de mauvaise qualité. Au contraire, c'était plutôt que ça risquait d'être au détriment de mon film, parce que forcément, au niveau budget, on peut pas se comparer forcément à des énormes machines. Tu vois, bon, voilà. Bon, après, c'est peut-être un argument qu'on m'a dit, parce que ça se trouve, les gens aimaient pas le film, puis ils n'osaient pas le dire. Bon, peut-être, mais je m'en fiche. En tout cas, je me dis que je me console comme ça, je me dis qu'effectivement, on jouait quand même pas vraiment en France, on dit dans la cour des grands, hein. Mais c'est pas grave, moi je suis content du film que j'ai fait. Je trouve que, surtout sachant qu'il a vraiment coûté rien, malheureusement, j'aurais préféré qu'il y ait plus d'argent, mais je trouve qu'il a quand même une certaine tenue. J'ai atteint un peu les objectifs, tu vois, en tout cas que je m'étais fixé quand j'écrivais le scénario. Et donc il a quand même fait quelques festivals, notamment Fantasporto, là, qui est un gros festival au Portugal, qui est un des plus vieux festivals de films de fantastique en fait en Europe. Okay. Voilà. Après, je sais aussi qu'il est diffusé, on le trouve maintenant aux États-Unis, enfin en tout cas en Amérique du Nord, parce que je pense que tu peux le voir aussi au Québec. Il passe sur, je sais plus quel portail. Enfin, en tout cas, il est, on le trouve comme ça maintenant déjà en VOD. Hein. Ah oui. Okay. Ouais. Donc il est visible, hein, si tu veux. Mais c'est toujours pareil. Tu te lances dans un film comme ça, tu sais que t'auras pas forcément toutes les armes nécessaires pour affronter les gros, et même ceux qui se disent indépendants sont des énormes films comparés aux miens. Oui, ben, maintenant, là, les H2, H24 et Blue Mouse qui disent qu'ils sont des compagnies indépendantes, c'est terminé. Hein? Peut-être les deux, trois premiers films qu'ils ont fait, mais ensuite, c'est rendu hyper commercial. A24 ont tenté d'avoir les droits de la série télé d'Halloween. T'sais, je veux dire, eux, ils ont compris que maintenant, s'ils veulent faire de l'argent, il faut qu'il y ait dans le commercial. Puis malheureusement, c'est ça. Complètement. Après, on peut faire du bon commercial, tu vois, c'est toujours pareil. Ben oui. C'est aussi pour ça qu'on fait des films à petit budget, parce qu'à un moment, il faut tourner, tu vois, plutôt que de rester à pleurer chez soi, dire « Ah, personne ne me donne d'argent », ça a été ma démarche, tu vois, et on est quelques-uns comme ça en France, et je crois qu'au Québec aussi, à se dire « Bah écoute, tant pis, on tourne avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, on a des super outils. » Tu vois, on n'est plus il y a 20 ans où il fallait prendre une caméra 35 mm, ça coûtait super cher, il fallait faire développer ça dans un laboratoire, enfin, c'était pas... Vraiment, tu pouvais pas y accéder facilement. Aujourd'hui, vraiment, je parle d'un point de vue technique, hein, tu peux avoir des super images pour pas cher. Après, ça dépend ce que tu veux raconter. Il faut aussi que, si tu veux, que tes moyens ou ton absence de moyens soient en adéquation avec ce que tu veux raconter. Tu vas pas faire Star Wars, tu vas pas faire, tu vois, avec un budget minuscule, ou sinon tu risques d'être confronté à des grosses difficultés, mais il faut rester mesuré dans ce que tu veux raconter. Donc voilà. Et puis pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, il y a un Blu-ray qui va sortir bientôt, mais j'espère que, ça c'est une question toute bête, mais qui sera désonné, hein, que tu pourras aussi le lire au Québec. Bon, je pense qu'il y aura moyen de toute façon de... Voilà. Mais en tout cas, oui, en France, il y aura une très belle sortie là, en Blu-ray qui se profile là, pour les mois qui viennent, avec plein de bonus, de features, là, de tous mes courts-métrages, des interviews. Non, ça va être très bien, et je t'en enverrai un, évidemment, en espérant que tu pourras le lire. écoute, si tu nous envoies un Blu-ray, il va être dans les arrivages du Super Club de Vidéo Gore, il va être sur nos tablettes ensuite, comme Alex Wawaka a fait, Vaverkan, je me trompe toujours dans son nom de famille, a fait avec Prends ta Bible et tire-toi. Il est dans nos tablettes maintenant, et les gens peuvent venir le louer. Et juste pour revenir sur le débat film indépendant ou pas, moi je trouve ça quand même très drôle, parce que je crois que chaque cinéaste indépendant présentement aimerait avoir les budgets de films indépendants comme Halloween ou Evil Dead, qui c'était de 200-300 000 en 1978, maintenant, pour faire leur film. Le mot indépendant est vraiment, on parle pas d'avoir des centaines de mille de dollars des fois pour faire un film maintenant. Il y en a qui vont faire un film à 50 000, il y en a qui vont faire un film à 25 000.
Et à cause de la technologie, ben ça peut débloquer, puis ça peut être excellent, mais une qualité visuelle puis auditive aussi. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que pour aller dans le sens de ce que tu dis, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'autrefois aussi, même pour tourner un film à tout petit budget, hein, tu parles de Evil Dead ou d'autres, ça coûtait plus cher qu'aujourd'hui. Donc, malgré tout, tu vois, voilà, c'était des tout petits films pour l'époque, mais aujourd'hui, oui, ça nous paraît cher, parce que cet argent, on ne le met plus dans la pellicule, 35 mm, on ne le met plus dans les laboratoires, on va le mettre peut-être plus dans ce qu'on va voir à l'écran, tu vois, donc... Oui, ça, c'est le bon côté, je dirais, d'aujourd'hui, c'est que finalement, on a plus facilement accès à quelque chose de professionnel. Voilà. Oui, le retour du balancier, comme on pourrait dire, la balance entre les absolument. Deux. Donc là, c'est quoi le futur de Fabrice? Est-ce que tu as un prochain film qui s'en vient? Est-ce que tu travailles sur un prochain film? Tu sais comment ça marche, c'est toujours compliqué, surtout avec des petits budgets comme ça. Oui, j'ai plein de projets différents, même du documentaire. Tu sais, je sème plein de graines là, et puis on verra ce qui pousse en premier. Mais j'aimerais bien continuer là-dedans, bien sûr, parce que moi, ça fait longtemps que je fais ça, en tout cas sous forme de court-métrage. Mais un long-métrage, c'est une aventure, tu vois, qui est complexe. Je ne repartirai pas, je pense, dans une configuration comme celle que j'ai vécue pour La Chose à l'aéroport, parce que c'est quand même, c'est lourd à porter. Tu vois, hein, de A à Z, et puis le film était commencé en 2019, il était terminé en 2023. Je sais pas si tu vois, faut quand même y croire, quoi. C'est-à-dire que il faut de la... Surtout, je dirais, plus dur, c'est la ténacité, quoi. Tu vois, de tenir sur la durée et de pas abandonner. Parce que c'est toujours dur, quoi. À chaque étape, sans argent ou avec très peu d'argent, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment une patience assez folle. Mais avec un peu plus d'argent, oui, il faut. Mais on est plein comme ça, hein. Je pense à mon copain Eric Falardeau... qui a fait il y a longtemps son premier long métrage et qui rêve de tourner, mais il va y arriver mais tu vois, c'est compliqué, c'est pas si simple. Je veux dire, même si tu as fait un premier long métrage et même s'il est primé et qu'il a une certaine qualité, ou en tout cas voilà, qu'il est présentable, rien n'est jamais gagné parce qu'on t'attend pas, parce qu'il faut se faire tout seul, parce qu'après c'est des choix à faire aussi. Est-ce que tu vas plus dans quelque chose de mainstream, ou est-ce que tu veux rester à cultiver ce que tu aimes vraiment, le fantastique, le genre? C'est des vrais choix de carrière à faire, et j'avoue que jusqu'à maintenant, j'ai pas fonctionné en choix de carrière, j'ai fonctionné par coup de cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, on en est tous là, c'est-à-dire c'est ça qu'on veut faire. Depuis que je suis gamin, c'est ça que je veux faire, et après, bien sûr qu'on aimerait en faire plus et plus souvent, mais c'est donc, je peux pas concrètement répondre à ta question, si ce n'est que oui, j'ai plein de projets sur le feu là, et on va y arriver. Ma dernière petite question, on est en 1989, tes parents te donnent des sous pour aller louer un film dans un club vidéo, ça serait quoi ton choix du vendredi soir? Oh ben, je crois qu'on l'a déjà cité tout à l'heure, c'est Evil Dead, le premier Evil Dead de Sam Raimi, parce que lui, je l'avais gagné, je me rappelle, en VHS dans un concours, je crois que j'ai usé la VHS, mais elle a failli exploser dans le lecteur à l'époque, là. Et mais voilà, je te cite ça, mais il y en a tellement d'autres. Moi, j'ai découvert, comme beaucoup hein, de ma génération, on a découvert le fantastique et l'horreur et tout, et la science-fiction dans les vidéoclubs. Et une simple jaquette, parfois, un simple dessin, pouvait nous faire rêver pendant des semaines. Après, on était parfois déçus quand on voyait le film, mais c'est pas grave, si tu veux, on remplissait les vides, même si c'était un peu cheap, mais c'était un peu... C'est pas grave, on picorait, tu sais, on prenait les choses qui nous plaisaient, puis on laissait de côté les choses qui nous plaisaient moins. On n'avait pas cette espèce de choix qu'il y a aujourd'hui, qui est complètement effrayant, parce qu'avec Internet, t'as tellement de choses que t'as pas le temps de regarder. Je veux dire, si on m'avait dit ça, il y a 20 ans, 30 ans, que j'aurais pas le temps de regarder les trucs que j'aime, j'aurais dit, tu me fous de ma gueule, là, niaise, là, comme vous dites. Non, je veux dire, c'était ça, on revoyait 10 fois le même film, à l'époque. Donc oui, je dirais qu'Evil Dead, c'est vraiment... Mais il y en a plein, il y a les massacres à la tronçonneuse. Tous les films un peu comme ça, fondateurs, les premiers Mad Max. Mais j'étais très fan aussi de Sergio Leone, j'adorais le cinéma d'animation, tu vois, j'adorais la science-fiction. C'est trop vaste, mais s'il y avait une cassette à prendre, ou un DVD, je pense que ça serait à nouveau le premier Evil Dead, parce que au-delà du film lui-même, c'est la démarche de Sam Raimi, la démarche du do-it-yourself, d'aller chercher de l'argent auprès des dentistes, des médecins, des trucs, pour faire son plume. Ça m'a donné envie. Et à l'époque, je me suis dit, mais c'est faisable. Voilà. Et quelque part, c'est un peu ce que j'ai fait à une moindre échelle avec La Chose à l'aéroport, puisqu'on est allé chercher des amis, des gens, tu vois, une forme de mini crowdfunding
pour trouver de l'argent et pour lancer la machine, parce que sinon, ça ne démarrait pas, quoi. Donc, et c'est le conseil que je donne à tout le monde. Faites ça, parce qu'il ne faut pas rester chez soi à pleurnicher, encore une fois. Il faut tourner, même sans argent. C'est la seule solution. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis qu'est-ce que je dis toujours à propos d'Evil Dead? Lorsque tu regardes ce film-là, tu as l'impression que c'est des amis qui ont été dans une cabin in the woods un week-end à tourner un film sans scénario. Et voilà ce qui en est ressorti maintenant. C'est un succès planétaire et c'est un de mes films préférés. J'en ai fait un documentaire. Hein. Mais je le sais, j'aimerais bien le voir, je l'ai toujours pas vu. Ah, mais il est sur Shadows. Si tu as Shadows, faut que je le voie. En Paris, il est sur Shadows. Là, j'entends Stéphane qui est en train de flusher la toilette, comme on dit au Québec. Donc, avant qu'il revienne et qu'il soit vraiment fâché parce qu'il n'a pas pu être dans l'entrevue, je vais devoir remettre mon chandail et retourner dans le club vidéo. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Fabrice, pour ce temps. Et j'ai très hâte d'avoir un Blu-ray et de voir tes prochains projets. T'es promis, et puis c'est moi qui te remercie pour l'accueil, et puis bonne continuation, et moi je vais devenir un fidèle, comment on dit, spectateur de ton show. Client, parce que, un client. Un client, oui, voilà, ça me rappellera l'époque où effectivement j'allais fréquenter le vidéoclub à côté de chez moi, et j'y ai fait toute ma culture geek, donc c'est tellement important. Donc voilà, merci encore. Merci Fabrice. Salut. Le Super Club Vidéo Gore est fier d'être commandité par la Brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Morin Heights, la Brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservé dès maintenant au brasserieanorak.ca. Non, les films en série continuent, mon chanceux. Oui, le troisième opus de Children of the Corn. Et là, Children of the Corn, il y en a 10, ce que je croyais. Et là, on me dit qu'il y a 11 films. Fait qu'il va falloir regarder ça pour se faire livrer. Ton calvaire finira jamais, Steve. Jamais. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Alors, mon Stéphane, Children of the Corn 3, Urban Harvest, ou Les démons du maïs, la moisson de la terreur. Les démons du maïs? Mais ça, c'est en France. C'est ça au Québec. Il me semble que c'était Les enfants du maïs. Je sais plus. Je ne sais plus, les noms diffèrent à gauche, à droite. Un film de 1995, oui, parce que le premier, 84, et il a fallu attendre dans les années 90 pour que la franchise continue, pour te prouver que les années 90, ça a mis plein de bons films dans nos tablettes, ici, un peu partout. Donc, le film est réalisé par James D.R. Hicox. Félicitations. Ouais. Tu vas l'aimer, lui, parce que lui, c'était un apprenti monteur sur Master of the Universe, un de tes films fétiches. Les Maîtres de l'Univers, quel bon nanar. À peu près tout ce qu'il a fait, en fait, comme film, sa mère vedette, Nancy Lee. Et Nancy Lee, là, elle a joué dans 1904 épisodes de General Hospital. Hein? 1904, c'est... Oui, non, et puis un épisode de Renegade avec Lorenzo Lamas. Ça compte. Donc, c'est Joshua et son frère qui, dans le fond, sont dans le maïs. Et là, ils ont un père violent. He's gonna beat me again. Un des deux a un père, je me rappelle plus c'est qui. Et là, ils finissent... Ben, tout le monde a un père, en général. Là. Ouais, ils finissent par tuer... Sinon, ils naissent pas. Ce gars-là, dans... Je l'écoute pas. Dans le champ... Et là, ben là, ils se retrouvent orphelins. Et ils se font adopter par un couple de Chicago. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se transporte dans la ville de Chicago. Et là, il y en a un des deux qui est plus evil que l'autre. Et il décide de bâtir un champ dans une vieille usine désaffectée. Wow!
toute une histoire à date, j'ai le goût. Là. Un peu, c'est un peu bizarre, parce que là, tu te retrouves dans la ville. Tu sais, Jason était dans l'espace, les enfants, eux autres, se retrouvent dans la ville. Fait que c'est bizarre. Il y a une scène de feu dans la bouche. Avouez que le feu dans la bouche que vous venez de voir... assez impressionnant. C'est troublant. Je parlais de zoom-in dans le premier. Même affaire. Est-ce qu'il en abuse encore? Zoom-in. 11 ans plus tard. Ça arrête pas. Wow. Il y a une phrase dans le film qui est très drôle. C'est « You are like a worm ». It's because you're like a worm. A worm have two sides. And you can kill one and the other will still be alive. Hein? Ça dit ça? This Bible's your other half, Eli. And now that I've got you together, I'm gonna crush you completely. C'est-tu le worm sous terre, ça, qui est dans le 1 puis dans le 2? Ben là, c'est ça la question. Tu dis, crème, il y a un worm. On va-tu enfin voir c'est quoi ce worm-là? Et oui! On voit enfin, c'est une fin... c'est un massacre total à la fin, un peu, tu sais, comme dans un Quiet Place, là. Où est-ce quand les bébites y arrivent, puis qu'ils le tuent carnage. Du monde, le carnage. C'est incroyable, c'est extrêmement violent. Ce qui est bizarre, c'est que là, ils commencent à tuer des ados et des enfants, ce qui fait aucun sens, parce que tu comprends dans le film que... la raison pourquoi que les enfants tuent les adultes, c'est parce que quand tu as passé 18 ans, ben, tu fais plus attention à la terre. We, the children, are the purity of the land. And the adults, the creatures past their 19th year, they are the beast! Oh, ok, c'est un film de genre de. Ouais. De gens écolos qui veulent protéger la planète, donc ils tuent pour des raisons nobles. Ouais, fait que là, tu commences à comprendre c'est quoi l'histoire et le monstre surgit. Du sol. Oh mon Dieu, le budget au complet a dû passer là-dedans. Je parlais du pire effet spécial dans le premier. À toutes les Children of the Corn, on bat ça. C'est complètement fou. Et à la fin, ça finit qu'il y a quelqu'un qui fait la contrebande de maïs. Ah, oh, wow, c'est tragique au bout, ça. Fait que le 2, le 1 et le 3e dans l'ordre pour l'instant. Toi, mon Steph, t'as regardé quoi? J'ai regardé Night Train to Terror. Hey, toi! Hey, toi! Regarde-moi ça! Night Train to Terror? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Steve, j'en ai vu des mauvais films dans ma vie. Juste la semaine dernière, j'ai vu The Johnsons, un film des Pays-Bas de 1992 avec des gens couverts de diarrhée. Puis Steve, t'as eu un malin plaisir pendant que moi, j'étais indigné face aux documents que je venais de regarder. Et je me suis dit, cette semaine, je vais regarder Night Train to Terror, un film de 1985, réalisé par trois personnes. C'est jamais bon signe, ça. Attends, c'est une anthologie? On peut appeler ça une anthologie parce qu'il y a plusieurs documents là-dedans. C'est un film réalisé par John Carr, Philip Marshack et Tom McGowan. Trois réalisateurs qu'on ne connaît pas. Tant mieux pour eux autres parce qu'il y a des gens qui leur feraient mal. Okay? C'est l'histoire de Dieu et Satan assis dans un train qui ils vont décider du destin de trois personnes dans trois histoires différentes. Concept qui pourrait être le fun. Mais Steve, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. Ça. Pourquoi t'as fait ça? Okay, moi, j'ai rien fait. On a reçu ce film-là. Arrête de parler. La chanson que vous venez de voir, là, elle revient 4 fois en intégrale dans le film. OK? C'est un film d'horreur, ça. OK? Mais quand on voit le train au début, là, c'est un jouet. C'est un modèle réduit avec des cèdres en plastique.
je pensais, au début, je disais, OK, c'est le mauvais film. Je me suis trompé, c'est un vidéoclip de Loverboy, de Loverboy qui chante Turn Me Loose, une tune des années 80, un band canadien en passant. So why don't you turn me loose? Turn me loose? Mais non, c'est mille fois pire que tout ça. Ce band-là, aucun rapport dans le film, mais on voit la toune quatre fois. Puis là, il arrête pas de te le dire. Everybody's doing something, everybody but you. Everybody's got something to do, everybody but you. Tu te le fais mettre dans la face que ta vie, c'est de la merde, puis se l'est en crisse. Le premier film, c'est l'histoire d'un homme qui se fait hypnotiser. That injection puts you under hypnosis. Puis qui va tuer des femmes, qui va les démembrer et les vendre à une école. Pour l'instant, tout va bien. Pour la science médicale et apparemment qu'ils deviennent riches et multimillionnaires comme ça en démembrant les gens. On voit énormément de sang. C'est le pire montage que j'ai vu ever dans un film. Steve, tu dois voir ça uniquement pour le montage. Mais tu vois, les seins, c'est supposé de te faire oublier le mauvais montage. Ouais, j'ai rien oublié, moi. J'ai rien oublié. Ce que j'ai pas oublié, c'est la notion du temps, parce que je regardais ma montre, puis le film venait de commencer. C'est trois films différents, trois histoires différentes, desquelles Dieu et Satan discutent dans le train et décident le destin des gens, comme je disais tantôt. Ces films-là, est-ce que tu savais que c'est des films inachevés, qui ont été relégués aux oubliettes et que les réalisateurs ont repris puis ont dit on va faire une anthologie avec ça. C'est des films non finis. C'est le pire dialogue que j'ai vu de ma vie dans un film. Point. Jeepers Creepers Reborn a un Oscar à côté de ça. Là. Oh. Would you let me? Could you change? No. Non, Steve, c'est à peine drôle. This is Mrs. Howard Green. We have a reservation tonight, but we're lost and... Moi, je me dis, OK, c'est un so bad is good. Ha ha, je vais avoir un bon moment. J'ai eu un mauvais moment. J'ai eu un très mauvais moment. C'est pas regardable. Dans le premier film que je te parle, on voit le caméraman dans le reflet de la fenêtre. On voit son ombre pendant qu'il se promène dans une scène de crime avec du sang éclaboussé partout. Avec ça, il y a une femme qui crie dans le background. Il y a des coupures de scène avec un narrateur. On comprend fuck all. Je savais pas du tout ce qui se passait. Puis le premier film, je pense qu'il dure 15 minutes. Mais c'est 15 minutes d'incompréhension totale. Là, je sais comment les gens se sentent dans un asile psychiatrique. Parce que j'étais pas loin de ça. Le deuxième film, c'est un genre d'homme d'affaires avec beaucoup d'argent qui s'en va dans un parc d'attractions. Il arrive dans le parc d'attractions et on voit le soleil, il regarde au loin et il se tourne et c'est rendu la nuit. Instantanément. Popcorn, mister? Pire montage ever. Il voit une jeune fille qui tient du popcorn, il met du cash dans la brassière. Bye. Et il achète cette jeune fille-là. Shall we? Why the hell not? Et cette jeune fille-là devient, dans la scène suivante, une actrice porno. He made her a star. On comprend pas pourquoi, mais ça l'arrive. Il l'a acheté pour qu'elle devienne une actrice porno. Oui, parce qu'elle veut devenir une vedette, mais tout ça se passe en l'espace de quelques secondes, littéralement, je n'exagère pas. Et là, on se transporte dans une pièce où est-ce qu'il y a trois chums qui écoutent un film de cul ensemble. Ça finit rarement bien, ces histoires-là. Et l'actrice en question est vedette dans ce film-là. Donc le gars tombe en amour avec. A day that would change his life. Et la scène d'après, il l'a déjà trouvé, il l'a retracé et s'est rendu sa blonde. What the fuck is going on? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, rien. Et quand les films terminent, on retourne à Dieu et Satan qui décident du destin et on a encore droit à ça. OK, ça, personne ne devrait être obligé d'écouter ça. Je l'ai dans la tête. Depuis que j'ai regardé le film, ça fait presque une semaine que j'y pense puis que je l'entends. Tout le monde chante ça à la maison. C'est à cause de cet hostie de film de marde-là que ça arrive. Et le troisième et dernier film, Steve, essaye de me suivre, là. Un nazi invincible avec des pattes de chèvre couche avec une femme, enlève son bas et c'est une patte de chèvre qui apparaît et la femme hurle de terreur.
Ce gars-là est éternel et immortel. On comprend pas pourquoi, mais il faut le tuer, il faut prendre son cœur, puis il faut le mettre dans une boîte, puis le ramener à l'église. Moi non plus, je comprends pas. Et après ça, il arrive ceci. Est-ce que tu as vu le train exploser, Steve? C'est des scènes complètement unrelated, c'est du stock footage qui a été collé avec un train en jouet. Et l'hostie de toune repart une dernière fois à la fin. OK. Ouais, pas OK, pas en tout. Le stop motion dans ce film-là, c'est de loin le pire que j'ai vu. Là. ED-209 dans Robocop a l'air vrai à côté de ça. Steve, c'est de loin le pire film que j'ai vu de ma vie. Il n'y a même pas de compétition. C'est même pas proche. Combien d'yeux? Moins 1,5 yeux sur 5. Deux yeux de moins que Jeepers Creepers Reborn. Fuck you, Night Train to Terror, man. C'est un Vinegar Syndrome, je le lancerai pas, mais je vais aller le mettre avec le popcorn qui sent le moisi, là. Ah, oh, mais Stéphane, t'as réussi à me faire pleurer encore de rire. Moi aussi, j'ai pleuré, mais on n'a pas les mêmes raisons. Ah, oh, et après la pause, on s'en va. Je sais plus encore, j'ai tout perdu. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous. Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À prochain, les tripeurs! Tanné en crisse, là. Stéphane, reviens-en, là. Reviens-en! Si, t'écouteras des mauvais films de même back-à-back, là. Simonac. Bakaru Banzai, parlant de films que je n'ai jamais vu non plus, je n'avais jamais entendu parler, tout comme Night Train to Terror, avant qu'on le reçoive il y a quelques mois. Ça m'écœure. Écoute, Guillaume, parle-nous de... S'il te plaît, viens m'aider, là. Fais juste me rincer la bouche, s'il vous plaît. Ah! Non, attends. Ah. Non, il m'a encore chaud, 2 minutes. Yes! Là, je suis prêt. Il y a des films qui sortent en salle et qui laissent une trace indélébile sur toute une génération de cinéphiles. Puis, ben, il y a d'autres films qui passent dans le ciel comme un ovni et qui marquent juste une petite partie de la population, là, qui vont jurer pour le reste de leur jour d'avoir vu ça de leurs yeux vus et qui vont dire des trucs du genre « Asti, c'était le cossin le plus étrange qui m'est arrivé, il y avait des cerveaux extraterrestres puis j'ai vu des flashs de lumière. » Aujourd'hui, je vous parle des aventures de Bakaru Banzai dans la 8e dimension. Et contrairement à plein d'autres films dont le titre a été allongé par un traducteur zélé, c'est bel et bien une traduction mot pour mot du titre en anglais. Bakaru Banzai, c'est l'histoire de Bakaru Banzai, interprété par Alex Murphy, Peter Weller, un gars qui a trouvé le moyen d'être une figure au passé tragique tout en étant à la fois le meilleur neurochirurgien de la planète, un rockstar, un samouraï, un test pilot pour des avions qu'il a souvent construit lui-même et un philosophe de haut niveau. No matter where you go, there you are. Asti que c'est beau! Ok, donc grosso modo, Bakaru invente un cossin, un Oscillation Overthruster, ça veut rien dire, mais ça sonne badass, qui lui permet de passer dans la 8e dimension. Ça donne que c'est dans cette dimension-là qu'une race d'extraterrestres pas fins appelée l'électroïde rouge avait été bannie de la planète 10 par l'électroïde noir. Ben, ça donne aussi qu'une autre expérience, faite juste avant la Deuxième Guerre mondiale, avait permis au docteur Lizardo de passer dans la 8e dimension lui aussi, et que pendant qu'il était là, il y a une partie de son esprit qui a été envahie par le leader des électroïdes rouges, qui essaie de libérer son armée maintenant depuis 40 ans. Pis ben guess what, il va pouvoir le faire s'il met la main sur le Oscillation Overthruster. Again, ça veut rien dire, mais asti que ça sonne badass! Fait que Bakaru pis les autres musiciens de son band, parce qu'il y a un band, les Hong Kong Cavaliers, vont devoir sauver le monde parce que l'électroïde noir menace de déclencher une guerre mondiale pour empêcher l'électroïde rouge de sortir de la 8e dimension. Ah oui, j'ai oublié de parler de Penny. Ok, fait que Bakaru était marié avec une femme du nom de Peggy.
qui est morte longtemps avant le début du film. Si vous voulez savoir pourquoi, elle a été assassinée par Chan, le leader nébuleux d'une organisation secrète que Bokaru combat régulièrement, dont on entend juste parler dans les autres histoires. Et pendant un show, ben Bokaru et sa bande de joyeux lurons tombent sur Penny, qui, après quelques recherches, n'est nul autre que la sœur jumelle de Peggy perdue il y a longtemps. Avez-vous tout suivi? Parce que moi, le film, je le connais bien, puis je suis pas sûr que j'ai encore tout suivi. OK, fait à part le fait que l'histoire est loufoque à mort et que c'est pratiquement un film de série B sur les stéroïdes, Bokaru Banzai, c'est un solide joyride, ne serait-ce que pour voir John Lithgow se faire du gros fun à jouer les cinglés, pour voir Christopher Lloyd dans un de ses rôles les plus sérieux, c'est bien pour dire, et pour voir Jeff Goldblum porter ses glorieux chaps-là pendant une bonne partie du film. C'est le genre de film weird avec des questions sans réponse, genre le melon dans la presse industrielle, qui te fait faire « What the fuck? » tellement souvent que tu finis par juste passer dans la huitième dimension toi ici, puis tu reviens avec ton esprit hanté par des rêves de domination mondiale puis l'envie d'être habillé en cowboy. Oh, j'ai-tu des chaps qui traînent à quelque part, moi? Ça me semble que ça serait cool. Tu sais, Steve, quand on regarde ça, on peut dire à Han Solo d'aller se réhabiller. Ah, ben en plus, Peter Weller est comme habillé, dans, en tout cas dans bande-annonce, là, comme Peter, comme Pee-wee Herman. C'est vrai, avec le nœud papillon, oui. Je me demande, est-ce que j'ai le goût ou pas le goût de regarder ça? Moi, j'ai le goût. Ben, quand Guillaume parle de quelque chose dans le space-temps, c'est tough de ne pas avoir le goût. Puis Peter Weller, ben moi, Robocop, c'est mon film préféré. Tout film confondu. Donc, de voir Peter Weller et d'entendre sa voix, il y a comme une certaine joie là, qui s'en prend de moi. Puis, j'aime beaucoup le setting style Star Wars, mais qui mélange les genres. Ça a l'air fucké comme film. Ouais, ça a l'air assez bizarre. Mais comme encore, je sais pas si je regarderais ça avant d'écouter Akira. Ah oui, t'es sérieux? Ben, je pense que oui, parce que je suis pas un fan d'animé. Puis, mais... t'es un fan des années 80, puis on s'entend les talons hauts jaunes. Des rumeurs. Faut pas se fier là-dessus, n'est-ce pas? Non, ok. C'est bon. J'ai entendu dire une rumeur que vous passiez des films gratuitement à nos clients. Oh, j'espère que c'est pas vrai. Oh boy, que j'espère que c'est pas vrai. Parce que là, ça va vraiment aller mal. Là, vous allez broyer pour quelque chose. Allez au répondeur. Écoutez les messages. Pas de merci. Pas de s'il vous plaît. Tout de suite! J'ai pas le goût de brailler pour quelque chose, moi. Ben non, ben, on ne passe aucun film gratuit. Jamais. Jamais, c'est jamais arrivé. On va aller voir. Oui, papa, je sais pas si j'ai appelé à la bonne place, mais peux-tu venir me chercher, s'il vous plaît? J'étais encore au parc, là, il pleut, puis il y a du monde qui me regarde, puis tu vas-tu venir me chercher bientôt? Je reviens. Je suis désolé. Voyons, comment ça, t'es revenu vite de même? Ben, c'était juste au bord de la rue, puis je l'ai envoyé jouer dans le champ de maïs. C'est les retours, Steve. On va aller s'occuper de ça. C'est à mon tour, j'imagine. Faut ben que je me sacrifie, là. Oui, à la fois. On va monter mes culottes. On se décolle l'arrêt. Oh! Qu'est-ce qu'on a ici? On en a parlé. Oh! Je pense que les clients, ils ont bien aimé retour de Dan. Sur le film de Sam Raimi, Drag Me to Hell. C'est ça, tu sais, comme tranquille, mais pas tranquillement, comme très rapidement, on a dit les deux quand on avait été au cinéma, qu'on avait été un peu déçus de notre expérience. Qu'est-ce qui t'avait déçu, en fait? Je m'en rappelle plus, je me rappelle juste que j'avais regardé le film, j'étais sorti, puis j'étais comme... Ouais. C'est n'importe quoi. J'ai pas trouvé ça poche, je me souviens, mais j'ai pas été blown away. Peut-être que j'avais des attentes, parce qu'il y avait le nom de Sam Raimi là-dessus, puis je pensais peut-être qu'il y aurait un style avec un throwback plus Evil Dead, mais c'est pas le cas pendant tout. Mais bon, c'est un film qui existe en soi, ouais, qui se fie sur rien. Mais tu vois, il y a des très très bonnes critiques. Tout le monde me dit, tu dois re-regarder, revisiter. Revu, allô Steve. Drag Me to Hell, parce que ton opinion va changer. Ben, je suis ouvert, puis on l'écoutera ensemble, parce qu'on a le même, c'est rare, mais on est d'accord à 100% sur quelque chose. Stéphane, je suis très d'accord avec cette pensée-là. Tu devrais réécouter The Johnson. Je suis sûr que ton opinion va changer. Je m'appelle Steve. Je suis comique, bon. Prochain film. Creature. Un Vinegar Syndrome, Creature, qui est un genre de... pas spin-off, là, mais... comme voler l'idée un peu Alien. Un genre d'Alien bizarre. Oh boy, un Alien bas de gamme. Ouais, c'est exactement ça. Un genre de Alien bas de gamme, mais qui est quand même assez le fun à regarder.
Ceux qui ont jamais vu Creature, ça vaut la peine. C'est une belle édition que Vinegar Syndrome ont mis. Et c'est divertissant. Sans prétention, j'imagine. Très cheap, par exemple. Ah. Très, 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 très bas budget. T'sais, on parle de Alien, on parle de Creature. Mais j'ai quand même apprécié. Ouais. Ouais. La pochette est cool, encore une fois. It's been sleeping peacefully on a moon of Saturn for 2000 centuries. Hey, 2000 siècles, ils sont allés loin avec ça. Ouais. Mais Vinegar Syndrome donne le goût de regarder tous leurs films à cause de leur artwork puis leur restauration aussi. Ça doit être beau quand même. Ouais, ils ont la bonne bouffe là-bas. Restauration. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Appelle-moi Steve. OK. C'est bon. Il reste un dernier retour, puis ça, c'est près de mon cœur. Je vous reviens. Je vais aller chercher ça. Moi, j'ai le bras long. Pas besoin de me pencher. Ouais, mais je fais ma job, moi. Un coffret de Ultimate Warrior. Un des pires êtres humains, apparemment, à avoir foulé le ring de la WWF, mais un personnage mythique. Ce gars-là, là, quand j'étais kid, je le voyais comme une figurine vivante. C'était comme un action movie star. Un super héros, mais dans le ring, je le trouvais. Je me disais, il est invincible, personne ne peut faire mal à ce gars-là. Et effectivement, il a battu Hulk Hogan à WrestleMania 6 au Sky Dome devant 61 000 fans en délire. Et j'étais on board. J'étais prêt à accueillir Ultimate Warrior comme le prochain, le successeur de Hulk Hogan. Il a échoué en passant. Stéphane, t'es très bon dans les imitations Macho Man, Owen Hart. Peux-tu nous imiter Warrior? Non. Oh, come on. Je suis pas capable. Mais là. Si je fais ça, c'est clair que j'ai au moins une de mes deux jugulaires qui éclate. Il faudrait que tu bois ça au complet, puis après, tu vas pouvoir. Mais en fait, je peux imiter Ultimate Warrior quand il dit le nom de Hulk Hogan. Il l'appelait As You, Hulk Hogan. Il disait Hulk Hogan. O-A-K Hogan. Pas de H. Pas besoin de ça. Lui. Ben non. Pas de H, mais il était sûrement sur la coke. Oui, sur la coke, certainement. Absolument. Pour ça, écoutez, merci beaucoup tout le monde d'être présent encore cette semaine pour notre super club Vidéo Gore. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, où est-ce que vous nous regardez présentement. Puis continuez d'interagir avec nous, continuez de partager vos expériences, continuez de dire que vous êtes des clients du super club Vidéo Gore. C'est grâce à vos abonnements que le club reste ouvert. On se revoit la semaine prochaine. Dans deux semaines, Stéphane. Pour le live. Mais pour l'émission dans deux semaines. Ça aussi.